Dans la Grèce antique, Rhodes fut envahi par Dimitrios Ier, un général macédonien. Ce siège dura entre 305 et 304 avant Jésus-Christ. Le colosse de Rhodes a été érigé à l'effigie du dieu Hélios, dieu tutélaire de la cité. Il a été bâti en hommage à la résistance des Rhodiens face à l'envahisseur. Suite à un tremblement de terre vers 227 avant Jésus-Christ, le colosse est renversé et brisé. À ce jour, il n'en reste malheureusement plus aucune trace. Depuis cet événement, Rhodes s'est barricadé. La ville a construit un rempart en dissuasion à de nouvelles attaques. En prenant de la hauteur, nous remarquons celui-ci entourant la ville médiévale sur une longueur de 4 km. Ville se trouvant au pied du palais des grands maîtres. Le pourtour des remparts varie selon la structure du sol à certains endroits, entre 5,30 m et 12 m d'épaisseur. Voici les douves du palais des grands maîtres, ayant une largeur de 30 à 45 mètres et une profondeur de 15 à 20 mètres, donnant une protection supplémentaire. Ces douves sont entièrement sèches vu qu'elles sont situées au-dessus du niveau de la mer. Elles contiennent encore à ce jour plusieurs centaines de boulets de pierre tirés par les Ottomans en 1522 lors d'une invasion. La porte principale est protégée par deux tours massives, rondes, crénelées et à mâchicoulis. Le palais s'apparente à un château fort rectangulaire structuré autour d'une cour centrale, surmontée de deux niveaux d'arcades en plein cintre. À la fonction défensive du bâtiment s'ajoute le luxe des appartements d'un des grands maîtres, des chambres de cérémonie et de la salle du conseil située à l'étage supérieur. Au rez-de-chaussée se trouvaient les cuisines, les réserves et écuries. Un imposant escalier de marbre permet d'accéder aux pièces à l'étage supérieur. À cette époque, les mosaïques sont très souvent utilisées pour la décoration du pavement. Dans le port de Rhodes, les trois moulins de Mandraki servaient autrefois à broyer le grain pour la cargaison des navires. Aujourd'hui, les ailes tournent toujours au gré du vent mais les moulins n'ont plus aucune activité. À l'entrée du port, la forteresse Saint-Nicolas a été dotée d'un phare, dirigeant comme cela les bateaux la nuit. Explorant la région, la découverte de la très jolie baie Saint-Paul, située au niveau de la ville de Lindos, est un magnifique havre de paix et de détente. Du haut de son rocher, l'acropole de Lindos donne le sentiment de protéger ce magnifique endroit. C'est un endroit idéal pour nager, faire de la plongée en apnée et bronzer. Les eaux calmes et protégées rendent idéal la pratique de sport nautique. Vous pouvez également louer des transats et des parasols sur la plage. Un beau petit bar typique vous attend pour siroter une boisson bien fraîche afin d'étancher votre soif. En outre, celui-ci vous propose la carte d'une assez large et délicieuse restauration locale. Camiros, situé sur la côte nord-ouest de l'île, selon la tradition, est l'une des trois cités, avec Lindos et Ialisos, qui fut fondée au milieu du XIe siècle avant Jésus-Christ. Cette cité a été réduite à néant lors de deux tremblements de terre. Le premier en 226 avant Jésus-Christ et le deuxième en 142 avant Jésus-Christ. Les ruines et vestiges sont restés en témoignage de cette époque historique.
Avec cette chaleur, je pense qu'il est grand temps de boire un délicieux ouzo, alcool local un peu plus fort que le pastis.